Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut utiliser des outils pédagogiques pour nous permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Ce que j'appelle également des outils pédagogiques, des outils de feedback. D'accord ? Donc je bosse constamment avec des outils pour permettre à mes élèves de tout de suite avoir un feedback immédiat pour leur permettre de comprendre le bon ressenti et le mauvais ressenti. Alors j'ai le plaisir d'être à nouveau en compagnie de mon papa Marc. Salut papa. Hi everyone. Alors, on est en direct ici du sud de la France et puis papa, toi qui enseignes depuis combien d'années maintenant? Oh là 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 là. Alors, j'ai passé pro à 17 ans. J'ai commencé à enseigner un peu à 18, 19. J'étais joueur, donc je ne sais pas, ça fait longtemps. Ça fait plus de 40 ans. Un peu plus de 40 ans que tu enseignes. Ouais. Et tu me disais avant qu'on démarre cette vidéo que toi, les outils pédagogiques, c'est quelque chose aussi que tu as toujours utilisé, mais dans ton temps, c'était quelque chose que tu devais créer. Oui. Oui, tout à fait. On a créé pas mal de choses d'ailleurs pour le putting, pour le plan du swing, etc. Mais c'est toujours fabrication maison. Voilà. Donc fabrication maison. Alors ce qui est bien aujourd'hui, c'est presque, on va dire les 20 ans plus tard, c'est qu'aujourd'hui on a des outils à notre disposition. On n'a pas besoin de bricoler à la maison. On a des outils qui arrivent par la poste et qu'on peut utiliser immédiatement et qui nous permettent vraiment de savoir qu'est-ce qu'on fait de bien et qu'est-ce qu'on fait de moins bien. Alors aujourd'hui, on va s'appuyer sur deux produits pédagogiques qu'on a reçus de la part de Golf at Home, qui sont les partenaires de ce live. C'est un site internet que je vous conseille absolument, qui ont vraiment plein d'outils pédagogiques pour vous permettre de progresser dans chaque compartiment de jeu. Ils ont également des filets à votre disposition. Donc regardez, nous on a reçu le filet de Golf at Home qui nous permet de continuer à s'entraîner durant le confinement. On a le tapis, on a 4 à 5 outils pédagogiques qu'on va vous présenter à travers les différentes vidéos qu'on va faire. Mais sur cette vidéo en particulier, on va s'appuyer sur le chemin de club. Donc on va s'adresser plutôt aux joueurs qui ont tendance à faire du slice. On va vous montrer comment on utilise un outil pédagogique en particulier pour vous permettre d'éliminer le slice. Et ensuite, on va s'appuyer sur un outil pédagogique qui s'appelle le Impact Bag, où là, on va travailler un peu plus la position des mains à l'impact, parce qu'on sait que les deux erreurs fréquentes qu'on voit souvent, c'est un chemin de club qui est extérieur-intérieur d'une façon beaucoup trop prononcée, qui en fait influence la balle à partir beaucoup trop vers la droite, d'accord ? Et ensuite, on sait que la deuxième problématique qu'on voit souvent chez les amateurs, c'est les joueurs qui ont tendance à cueillir la balle, donc d'avoir les mains qui sont plutôt en face de la jambe droite au moment de l'impact, ce qui ne leur permet pas de compresser la balle de la bonne façon et avoir une trajectoire de balle régulière, donc à travers un bon contact de balle. Donc, papa, premier outil pédagogique dont on se sert, c'est pour les joueurs qui ont tendance à faire du slice. J'adore. Et là, on va utiliser en fait le speed trap, donc c'est comme ça que ça s'appelle, si vous voulez aller trouver sur Golf at Home. Et ce qui est top en fait avec cet outil, qui est une ardoise en fait avec plusieurs lignes et plusieurs points de repère dessus, vous avez des trucs en mousse et vous allez voir comment on va s'en servir en fait tout au long de cette vidéo pour éliminer le slice. Mais en l'occurrence en fait, quand vous allez recevoir cette ardoise, tout simplement vous la mettez au sol. Alors là où c'est top dans un premier temps, c'est que j'ai beaucoup d'élèves qui, je vais juste remettre le micro, j'ai beaucoup d'élèves qui se servent du speed trap sans les mousses là, si je les enlève, et qui en fait l'utilisent, suite à mes conseils, uniquement sur un feedback de contact de balle. On sait aujourd'hui que la majorité des joueurs ont une problématique de contact de balle lorsqu'ils s'entraînent et lorsqu'ils sont éduqués à s'entraîner à taper sur des tapis. Mmh. Et malheureusement, voilà, on n'a pas tous l'occasion de taper des balles sur des practices en herbe. Et je sais que toi, par exemple, quand tu as grandi, papa, toi, tu as grandi sur un practice qui était sur herbe. On tapait les balles uniquement sur l'herbe, donc on avait le feedback déjà des divots. Déjà le divot et aussi la sensation. Donc on sentait et même, quand même. Tu me disais même que tu tapais des balles sur de la terre des fois pour te permettre de compresser. Sur la terre et surtout, si on avait la chance d'avoir du sable mouillé. Les bunkers, on avait un bunker sur notre practice en Angleterre, après de Londres. Et c'était plat, c'était un bunker de fer, c'était génial. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde se souvient de Ballesteros qui tapait les balles sur la plage au British Open. Bah, c'est un peu la même chose. Ça travaille à ce moment-là beaucoup plus le contact pur. Et donc, je parle de ça parce que moi, par exemple, quand j'ai grandi en jouant au golf, j'ai grandi en tapant des balles sur un tapis. Et on sait qu'une des choses qu'on a travaillé pendant des années ensemble, c'était le fait que je cueillais beaucoup trop mes balles. Ouais. Quand j'avais entre l'âge de 18 et 23 ans, je cueillais mes balles parce que j'avais les mains qui étaient un petit peu trop en arrière par rapport à la tête de club à l'impact. Mmh. Et on avait beaucoup de difficultés à corriger ça parce que justement, je m'entraînais la majorité du temps, quand je m'entraînais, c'était quasiment sur du tapis. En dehors du parcours, je tapais que des balles sur tapis. Et là, il faut faire attention parce que sur le tapis, effectivement, si on tape 1 cm derrière la balle, on a la sensation que la balle décolle, surtout à niveau golfeur week-end, on va appeler. Si on tape juste un peu derrière la balle décolle, qui n'est pas forcément le cas sur l'herbe.
C'est ça, c'est exactement ça. On sait que sur l'herbe ou sous de la terre, si on contacte la balle 1 cm derrière, c'est une gratte. Sur le tapis, 1 cm, même 2 cm, on a l'impression que la balle vole. Et moi, je le vois tous les jours dans mes séances de coaching. Les joueurs ont l'impression de faire des bonnes balles, alors que ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc moi, je suis vachement sensible sur le son de la balle, à l'impact, pour vérifier si l'impact est bon. Et des fois, le joueur me dit « Ah, ça, c'était bien. » Et je dis « En fait, pas aussi bien que tu penses. » Et c'est là où ça, c'est génial, parce que comment on va le placer, c'est tout simplement… Je le place juste derrière la balle. Enfin, la balle se trouve en fait entre les deux. Il y a deux tirés jaunes. Là, vous verrez quand vous cliquerez sur le site Golf Atom. Il y a en fait une ligne rouge et une ligne jaune. Ça, ça nous permet de savoir, parce qu'en fait, il y a des zones pour le chipping, pitching. Donc, c'est ce qui est indiqué là. Moi, ce que j'aime bien faire pour le long jeu, c'est que j'aime bien placer la balle entre les deux. Et en fait, ça, il y a quoi? Il y a à peu près combien là? 5 cm, tu dirais, papa? Ouais, ouais, même pas. Ouais. Donc, il y a un peu moins de 5 cm entre la balle et le début de l'ardoise. Alors, la raison pour laquelle c'est important, c'est parce que j'en ai un à Paris comme ça, un speed trap. Et je peux vous dire qu'il a été énormément endommagé par beaucoup de golfeurs amateurs qui ont tapé cette partie-là de l'ardoise. Donc, c'est 5 cm, hein, c'est beaucoup 5 cm. Et ça, c'est parce que, vas-y papa, montre-nous la position si des joueurs de golf vont taper l'ardoise, sans forcément taper l'ardoise, mais montre-nous. Je vais peut-être faire, c'est enlever la balle déjà, et on imagine que la balle est toujours là. Alors, si je tape avant, voilà, là, on entend le on plastique entend l'ardoise. Derrière, l'ardoise derrière. Voilà, pareil. Et là, si je tape maintenant, donc une frappe, donc ça m'oblige en fait à me faire une frappe beaucoup plus en descente. Donc là, avec les mains un peu plus en avant, voilà, là on voit tout de suite le son est totalement différent. Ce qui est, je pense, super intéressant pour les personnes qui nous regardent, c'est que sur le swing qu'a effectué mon papa, où il a tapé l'ardoise, je suis sûr que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à l'impact. C'est-à-dire que ça va tellement vite et qu'on a l'impression qu'il a fait un super swing de golf, or il a tapé 5 cm avant le point de contact. Donc, une grosse gratte. Mais on a l'impression, quand on le voit en vitesse réelle, qu'il fait les choses bien. Donc, c'est pour ça que ça peut être trompeur sur un tapis sans ardoise. C'est qu'on a l'impression qu'on fait un bon swing, mais on n'a pas de feedback. Donc, les outils... La différence, en fait, c'est voilà, la balle est là. Alors, j'ai tapé l'ardoise avant, tout simplement. J'ai descendu la tête du club un peu plus tôt. Voilà, le poids était un peu plus sur le pied droit. Donc, le bas de mon arc était plus shallow. Donc voilà, j'ai tapé 4-5 cm derrière. En fait, quand je tape la balle, c'est de trapper la balle entre le face du club et le sol. Voilà, là, donc les mains un peu plus en avant, le poids un peu plus sur le pied gauche. Donc on frappe beaucoup plus en descente. Et encore une fois, les outils pédagogiques, je les appelle moi les outils de feedback. Parce que principalement, ce qu'on veut à travers un outil pédagogique, c'est deux choses. Avoir un feedback instantané et créer une sensation qu'on n'en a pas quand on tape sans l'outil pédagogique. Donc, souvent, les golfeurs n'ont pas développé encore assez suffisamment leurs sensations pour leur permettre de comprendre quand ils ont fait un changement mécanique dans leur swing. Contrairement aux joueurs professionnels qui, eux, rapidement peuvent voir ou ressentent la différence quand ils font un changement technique. Et lorsque j'ai l'occasion de voyager sur différents circuits professionnels dans l'année, quand je collabore avec certains tournois et des joueurs, je le vois lundi, mardi, mercredi, qui sont les jours d'entraînement pour les joueurs du circuit, ils sont constamment en train de s'entraîner à travers des exercices, des drills, et aussi des outils pédagogiques. Ouais, absolument. Tout le temps, du lundi au mercredi, pendant 3 jours, donc avant le tournoi, le jeudi. Alors je dirais plus vers le lundi-mardi, s'entraînent avec des exercices, des outils pédagogiques. Et je vous promets, si vous avez l'occasion d'aller voir un tournoi du circuit européen, notamment l'Open de France qui se trouve au Golf National, essayez d'y aller le lundi-mardi et allez aux practices. Et restez quelques heures et vous allez voir que vous allez voir passer pas mal de joueurs qui vont s'entraîner avec des outils de feedback qui leur permettent de travailler sur ce qu'ils sont en train de travailler avec leur coach. Depuis toujours d'ailleurs, depuis toujours. Ouais, c'est ça. Même à l'époque, dans les années 70, les années 80, on fabriquait les choses. Hein. C'était peut-être la serviette sous les bras, ou c'était un ballon entre les coudes. C'était pas les ballons maintenant qu'on trouve qui expliquent qu'on peut couper. C'était carrément les vrais ballons de foot un peu dégonflés qu'on mettait entre les coudes. Il y a toujours même les bouteilles, on va voir tout à l'heure, pour le plan du swing, les bouteilles d'eau vide ou les paquets de balles vides. Voilà, pour corriger, pour avoir, comme tu dis, un feedback instantané. Alors, la bonne nouvelle avec le speed trap, c'est que du coup, puisque c'est pas des bouteilles vides, on va pas se faire mal. Parce qu'en l'occurrence, ces trucs-là, c'est de la mousse. Et toute la semaine, j'ai vu mon père qui coachait ma mère qui est golfeuse aussi, qui s'entraînait tous les matins. Qui recommence à golfer. Et tous les matins, mon père lui a donné un cours privé. Alors vous inquiétez pas, elle a pas payé son cours. C'était cours offert. Mais en contrepartie de super plats fait maison. C'est ça. Souvent, on est gâtés. Mais donc, du coup, on a des petites choses en mousse. Donc quand vous allez taper ça,
top. Vous n'avez pas de blessure. Et si vous tapez ça, ça s'envole. Alors que les bouteilles, des fois, c'est des bouteilles d'eau, ça peut faire mal. Ou... Ouais. Donc voilà, donc ça c'est top. Donc, parlons maintenant du slicer. On sait aujourd'hui que le slicer, c'est le golfeur qui a une face de club qui est ouverte par rapport au chemin du club. Voilà. En gros, le slicer, c'est ça. Face de club qui est ouverte par rapport au chemin. Si tu peux te mettre de profil, papa, pour montrer le chemin d'un golfeur, et on va exagérer pour le but de cette vidéo, le golfeur qui a tendance à avoir... juste montrer visuellement à quoi ça ressemble. Voilà, on exagère. Alors, voilà. Stop, arrête-toi là. Donc, pas tout le temps, mais la majorité du temps, quand un golfeur se retrouve avec la tête de club dans cette position-là, dans le downswing, donc juste avant l'impact, quand la tête de club est à l'extérieur des mains, donc de ce côté ici, quand je regarde à la vidéo, je peux vous dire que 99,9% du temps, ce golfeur-là va avoir un chemin de club extérieur-intérieur. Okay? Donc de cette position-là, c'est impossible de corriger votre slice. Et tous les slicers que moi j'ai pu connaître, les joueurs amateurs slicers, tous sont dans cette position-là. Okay? Donc nous, ce qu'on veut, c'est... Au niveau de la position mécanique, c'est qu'on veut retrouver une face de club qui va être beaucoup plus en ligne avec l'avant-bras droit, d'accord, juste ici. Ça, c'est une des positions clés que je vois dans le downswing. Alors, de cette position-là, il y a beaucoup de joueurs professionnels qui font du fade, d'accord. Ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Mais ce que je peux vous dire, c'est que cette position-là, ce que j'appelle la position entre 15h et 16h, donc là, on est à 14h. De quoi je parle quand je parle d'horloge? Là, on est à 12h, donc la tête de club. Hein. La tête de club se sert d'aiguille et pointe devant moi à 12h. 13h, 14h, 15h, ligne de jeu, 16h. Donc, quand le golfeur slice, en général, se retrouve dans cette position à 14h. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est avoir la tête de club entre 15 et 16, quelque part entre les deux, d'accord? Donc, ce qu'on veut, c'est retrouver cette position-là. Maintenant, mon expérience m'a amené à trouver que lorsque je place un objet à l'impact pour permettre au golfeur d'éviter l'objet, le club a tendance à naturellement revenir entre 15 et 16 plutôt que de revenir à 14. Alors, montrons ce qui se passe quand je place l'outil, enfin Moi, je vais juste ajouter que peut-être 80%, actuellement 80% des golfeurs, slice, ça veut dire que 80% des golfeurs passe vers l'extérieur à la descente, comme dit Louis, plutôt à 14h, ou entre 15h et 14h, pour venir par l'extérieur. Au niveau professionnel, il y en a combien qui coupent le balle comme ça? Il y en a de plus en plus qui font du fade, mais en tout cas, c'est ce qui est sûr, pareil. C'est qu'il y a une différence entre un fade et un slice, absolument. Ouais. Mais c'est très rare de retrouver des golfeurs professionnels qui ont cette position à 14h dans le downswing. Très, très, très rare. D'ailleurs, là l'esprit, il n'y en a aucun qui vient. Dites-moi dans la zone de commentaires s'il y en a un qui vient à l'esprit. Ouais. Mais là, actuellement, même les joueurs qui fade ont la position du club qui est plutôt entre 15 peut-être et 16. Peut-être ils font exprès. On a vu Tiger Woods l'autre jour qui fait un énorme slice, qui avait eu là avec le coude en l'air, etc. Alors ça, c'est les coups d'essai exagérés parce que lui, justement, avait tendance à revenir un peu trop à l'intérieur. Ouais. Voilà, donc on réservera ce sujet pour un prochain live. Mais en tout cas, comment on place comment on peut appeler ça, papa? Oh, le petit tiège. Ouais. Donc, on les place, en fait, comment on les place pour les slicers? Donc, quand vous recevez, en fait, le speed trap, vous les mettez, donc, évidemment, juste avant cette vidéo, mon papa va vous le montrer, on est capable de taper une balle où on place les quatre. Et je vous promets que même pour les bons joueurs comme mon père, qui je considère qu'un très bon joueur, c'est la première chose qui s'est dit quand il y avait les quatre, c'est... C'est pas aussi facile que ça, parce que quand on a les quatre comme ça, c'est plus impressionnant visuellement. Il faut tailler quelques coups d'essai, c'est ça, pour passer entre les quatre. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on passe entre les quatre, ça nous amène à penser qu'on a un chemin de club et un plan de swing qui est beaucoup plus neutre que lorsqu'on touche. Exact. Donc, si tu peux nous taper quelques balles, papa, juste en coup d'essai. Voilà. Donc, on place la balle entre les deux, la ligne jaune et la ligne rouge. Et à partir de là, voilà. Et là, ce qui est top avec mon papa, c'est que tout à l'heure, moi, je tapais des balles et je voyais que je tapais juste au-dessus du filet noir. Et là, j'ai vu mon père qui tapait en plein centre du bullseye. Et ça nous montre que la position à l'impact est vraiment pas mal. Maintenant, donc ça, c'est vraiment quand vous êtes à un niveau assez élevé, vous pouvez commencer à vous entraîner avec les quatre. Et je vous garantis que si vous avez à taper une dizaine de balles de suite en loupant les quatre, il ne va pas se passer grand-chose au niveau de la trajectoire de balle. La trajectoire de balle va être assez neutre. Alors, que j'ai fait avec mon épouse Michel, en fait, au début, je ne voulais pas qu'elle soit trop impressionnée par les quatre. Je les mettais ici. Ouais. Donc déjà, pour éviter celle-là.
parce qu'elle a une petite tendance à passer vers l'extérieur, donc à envoyer sa balle soit à gauche, ou soit elle ouvre son club et fait un petit slice. Donc en fait, je l'ai fait taper avant, à quelques centimètres de l'ardoise. Et là, ça, déjà avec celle-là qui gêne, voilà, ça le permet d'ailleurs de travailler exactement la même chose. Voilà. Là, elle doit venir plus par l'intérieur. Super. Alors, parlons un petit peu maintenant, papa. Le slicer, comment on va s'organiser avec le speed trap? On va enlever deux éléments sur quatre. Et ce qu'on va enlever, ça va être lesquels, papa? Qu'est-ce qu'on va enlever? Pour le joueur qui slice, donc on a besoin qu'il revienne un peu plus intérieur-extérieur. On va enlever celle de l'intérieur, absolument, voilà, dans le backswing. Et on va enlever celle-là, voilà. Et là, éviter qu'on revienne. Exactement. Donc là, ici, déjà, c'est moins impressionnant visuellement parce que maintenant, ouais, on n'en a plus que deux à louper. Ouais. Mais ce qu'on veut surtout, c'est que c'est les deux qui nous intéressent. Ouais. C'est que le joueur qui a tendance à revenir donc à 14h dans le downswing et qui va slicer avec un chemin de club extérieur-intérieur, il va venir taper soit celle-ci, ou peut-être les deux mêmes en même temps. Ou peut-être il évite celle-là, mais il retresse un peu les bras et il vient trop vite par l'intérieur. Pas mal pour les joueurs qui ont tendance à faire du chicken wing. On voit beaucoup d'amateurs, à le moment de l'impact, ils sont quand même les bras assez pliés. Montre de face cette position, voilà, à papa. Il peut venir peut-être par l'intérieur ici, mais ils vont plier les bras trop vite, la tête du club va passer par l'intérieur et on fait un pull très vite à gauche. Donc d'avoir celle-là en bas, donc intérieur de la ligne de jeu, ça nous encourage à faire un mouvement beaucoup plus intérieur-extérieur. Super. Ok, donc maintenant, tape-nous quelques balles, ouais, ouais, et montre-nous au niveau de la sensation. Donc montre-nous le downswing pour bien que les gens voient la position entre 15 et 16. Alors moi j'aimerais sentir que, voilà, que je monte très droit ici, voilà, là, et j'aime sentir à ce moment-là, j'ai fait un petit appui à gauche, et le club tombe vers l'intérieur. Voilà. Ok. Encore? Toi, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal pour toi. Toi, t'as pas besoin de corriger ta. Mais toi, t'es un joueur de fade. Ta trajectoire naturelle, c'est le fade. Ce qui nous indique que t'as un chemin de club légèrement extérieur-intérieur. Ouais. Pas beaucoup, ouais, mais c'est fait exprès. Il y a beaucoup de joueurs, ouais, aujourd'hui qui jouent avec du fade, ce qui est très bien. On n'est pas en train de dire que c'est une mauvaise, ouais, chose. Au contraire. Pour moi, le plan, c'est pareil. Parce que pour faire un fade, alors je vais orienter plus, ouais, à gauche. Oui. Et là, tout simplement, je vais suivre ça. Je vais avoir la tête du club légèrement plus ouvert à l'impact. C'est tout. Okay. Bon, le plan du swing ici, pour moi, c'est pareil. Je suis les pieds, etc. Super, super. Donc, je vise un peu à gauche du cible. Donc, je m'aligne l'ardoise. Mm-hmm. Donc, allez, 5 mètres à gauche. Voilà, clac. Voilà, je redresse. Là, soit je place le club un peu plus ouvert à l'adresse, ou soit je l'ouvre à l'impact. C'est un choix. Voilà, donc ça, je peux dire qu'il y avait un petit joli fade d'à peu près 5-6 mètres. Et ce que j'aime bien, ce que tu disais, parce que le travail que tu effectues avec maman depuis le début de la semaine, qui encore une fois a un joli swing, hein, mais qui du coup, vous travaillez sur le plan, pour les joueurs qui sont peut-être un peu trop impressionnés quand ils sont à l'adresse, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez commencer avec la balle ici, ouais, d'accord? Parce que d'associer le chemin de club plus le contact, peut-être, alors, moi, ce que je vous préconise, c'est de le faire directement dans le speed trap. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous allez voir que vous allez taper beaucoup le speed trap au début, donc vous allez peut-être être un peu trop impressionné. Donc ce que je vous préconise, c'est qu'il y a deux alternatives qu'on vous conseille. C'est que la première, si vous n'êtes pas en confiance, mettez la balle juste de ce côté-là. Oui, et on peut enlever d'ailleurs celle-là. Hein. Et on peut enlever celle-là. C'est juste celle-là qui va vous obliger en fait, de venir plus par l'intérieur. Voilà. Donc celle-là, à la limite. Voilà, donc vous pouvez taper des balles dans un premier temps, comme mon père l'a fait avec ma mère cette semaine, ouais, où il a coaché, ouais, à taper juste des balles comme ça. Donc ouais, vas-y, papa, fais-en, ouais, juste une pour que les gens puissent voir. Voilà. Donc en fait, c'est ça, il faut éviter sur celle-là. Après, c'est moins important. Ça, on va dire, c'est le niveau, pas débutant, mais c'est le niveau 1, niveau, ouais, facile. Ouais, okay, ouais, ouais. Et ensuite, quand le joueur prend confiance, là, cette fois-ci, maintenant, on enlève celle-là. Et on se retrouve du coup à placer la balle en plein milieu des deux. Ouais. Et c'est là où ça devient extrêmement efficace parce que maintenant on a deux retours. On a le retour sur le chemin de swing grâce aux deux petits trucs rouges qui sont situés ici. Mais on a également le retour sur le contact de balle. Donc on a une association des deux qui font qu'on peut améliorer son contact de balle grâce au feedback immédiat de l'ardoise. Et on a le feedback immédiat qui, si on loupe les deux, on a un chemin beaucoup plus neutre. Okay, une dernière fois, papa? Ouais. Ma posture, c'est quelque chose qu'on travaille tous les deux, ça, la posture. C'est l'assistant qui m'a montré, voilà, un peu plus ma posture, ça me permet de tourner un peu plus facilement au backswing. Super,
Super ça, papa. Super. Merci. Alors, maintenant, on va parler un peu du contact. Okay, donc, on va enlever le speed trap dans un premier temps et on va positionner l'impact bag maintenant. Et on va s'adresser cette fois-ci aux joueurs qui ont tendance à cueillir un peu la balle, qui n'arrivent pas à compresser la balle comme ils souhaitent. L'ardoise va vous servir comme feedback immédiat. Mais là où l'impact bag va être extrêmement efficace, c'est que ça va vous permettre de ressentir la position des mains correctement à l'impact, d'où son nom, l'impact bag. Je vous garantis que ça va être très compliqué de cueillir la balle quand vous allez taper dans un impact bag. Ça revient un petit peu à l'époque, papa, tu sais, où il y avait des articles pédagogiques qui étaient écrits il y a des dizaines d'années maintenant sur le pneu. Ou les, ça, c'était bien avant mon temps, mais c'était l'époque de Henry Cotton, qui était un de nos grands joueurs britanniques, qui a gagné, je crois que le British, je ne sais plus, il a gagné 3-4 fois. Et lui, il travaillait au Portugal. Et travailler ses élèves avec des vieux clubs, hein, avec des pneus. Il avait des pneus qu'il trouvait dans un petit garage, et il mettait les pneus en ligne, et il faisait taper les mains. Attention, c'était un peu extrême. Ah non, mais c'est quelque chose qu'on déconseille. Moi, je déconseille totalement aujourd'hui. Hein. Les poignets. Hein, c'est quelque chose qu'il faisait à l'époque parce que justement, il n'avait pas d'impact bag, il n'avait pas tout ça à sa disposition. Non. Donc, il tapait dans un pneu, mais c'est quelque chose qu'on vous déconseille fortement parce que justement, vous pouvez vous blesser très rapidement. Donc, mais c'est juste pour vous dire que c'est le même principe. Mais attention, c'était pas à fond la caisse comme on peut faire maintenant avec celle-là. Ouais, c'est ça. C'était plus le petit demi-swing, boum, ouais, comme ça. Ça, pour travailler, juste comme tu dis. Montre-le de face, ça, parce que c'est... Oui, en fait, les pneus, on ne peut pas taper. Attends, deux secondes, je vais te mettre le micro. Mais ça, c'est excellent. Donc... Oui, non, mais c'est les... Voilà, donc à l'époque, ils avaient des vieux pneus, et en fait, ils faisaient les demi-swings, voilà, à peu près ce tout-là. Clac, en tapant le pneu, les mains forcément obligées d'avoir en avant parce qu'on ne peut pas taper comme ça en reculant. Ça fait. Donc l'appui était là, l'appui à gauche, les mains en avant, etc. Tout ce qu'on doit trouver dans un bon swing de golf. Ouais, super. Ok, donc du coup. Et là, ça là d'ailleurs, on a rempli avec les coussins. Oui, ouais, bien rempli avec les coussins pour absorber le choc. Quand vous allez, je vais juste reprendre deux petites minutes. Quand vous allez au practice, hein, vous pouvez enlever le coussin et vous allez voir que vous pouvez quand même taper dedans. Mais ça, on peut faire à la maison. Ouais. Bien sûr, absolument, complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que les outils pédagogiques, non seulement on peut s'en servir à la maison, mais pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir la chance d'avoir un filet de practice, un tapis et qui s'entraînent, voilà, c'est un outil dont on vous conseille si vous pouvez taper des balles, mais également le speed trap, vous pouvez l'amener avec vous au practice. Comme l'impact bag, quand on enlève le coussin, en fait, on peut le plier puis on peut le mettre très facilement dans votre sac de golf. Et en l'occurrence, moi, je m'en sers dans mes séances de coaching avec mes élèves quand je suis à Paris. Donc, je m'en sers tout le temps. Je le mets dans mon sac de golf. Je le zip. Je ne mets pas de coussin dedans. Et quand on tape, l'impact bag se dégonfle un tout petit peu. Mais après, il se remet naturellement en place. Et effectivement, moi, quand je suis arrivé dans le sud et que j'ai mis l'impact bag, mon père a eu l'idée de mettre le coussin dedans. Et évidemment, ce qui est top, c'est que les sensations sont encore deux fois plus fortes parce qu'il y a le petit coussin qui crée... Oui, on n'a pas de mal. On n'a pas de mal. On peut vraiment taper à fond. En fait, je pense que le message qui est important, c'est que ça nous permet de créer la bonne position mécanique à l'impact et les bonnes sensations, donc les mains en avant. Et deux, on ne se blesse pas. Ouais. Parce que le truc du pneu, ça, c'était de l'époque. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on déconseille. Et évidemment, à travers un outil comme celui-ci, vous allez voir justement à quel point c'est super efficace. Donc, montre-nous un peu, papa, de face, les joueurs qui ont tendance à avoir un mauvais contact de balle, qu'est-ce qu'ils font à l'impact? Est-ce que la position des mains à l'impact et la position du club, qu'est-ce qui fait que les golfeurs cueillent la balle aujourd'hui? Alors, pour moi, c'est quand on regarde les professionnels, quelque chose qu'on voit qui est constant, c'est qu'à l'impact, avec un fer, les mains sont en avant de la tête du club à l'impact. C'est-à-dire que par rapport au départ initial, où les mains sont peut-être face au sternum, un peu en avant, à la main de l'impact, les mains sont encore plus en avant qu'ils étaient à l'adresse. Okay? Deuxième chose, chez un professionnel, le poids est toujours à gauche. Donc, on arrive à la balle, le poids elle est à gauche, les mains sont en avant. Voilà, là, on retrouve la position optimale pour avoir la meilleure puissance et aussi une bonne qualité de frappe. Les joueurs amateurs, malheureusement, la plupart du temps, le poids elle est soit en arrière ou soit au milieu. Il est passé en appui à gauche. Et les mains sont, peut-être, il revient à la même position que c'était au départ, mais ça ne suffit pas pour bien compresser la balle. Il faut que les mains soient bien plus en avant de la tête du club que l'adresse. Donc ça, on le trouve plus pour les amateurs, soit on dit un moment trop tôt avec la tête du club qui dépasse les mains. Voilà, ça j'exagère un peu. Ou on a cueilli la balle, on a tendance à faire des petits grattes derrière, on fait les tops, plutôt que d'avoir les mains en avant. Et donc,
l'exercice qu'on va faire, papa, avant de finir cette vidéo, okay, ouais, c'est que l'exercice avec l'impact, la façon dont on vous conseille de le faire, les explications, j'aurais pas pu dire mieux, c'était top ce que tu as dit. Le fait que d'arriver dans une position à l'impact où les mains sont en avant et le fait que les joueurs professionnels arrivent dans une position à l'impact où les mains sont plus en avant qu'elles étaient à l'adresse. Ouais, exact. Ça, c'est ouais, clé. Ce ouais, que tu viens de dire, c'est ouais, super. Ouais. Donc, du coup, parce que merci. Quelque chose... Non, non, mais parce que c'est quelque ouais, chose chez les joueurs amateurs qu'on retrouve. Oui, absolument. C'est les joueurs amateurs, souvent, quand ils ont l'impression d'avoir les mains en avant, c'est qu'en fait, ouais, ils retrouvent la position à l'adresse. Ouais. Et en fait, moi, ce que j'aime bien voir, c'est quand les mains sont en face de la jambe gauche ouais, ou à l'intérieur, minimum à l'intérieur de la jambe gauche, à l'impact, ou la cuisse gauche à l'impact ici. Et à l'adresse, on le sait, les mains sont vraiment entre les jambes. Alors, on va utiliser l'impact bat de la façon suivante. On a un bullseye là, vous voyez ici. Maintenant, l'exercice que je préconise pour utiliser l'impact bat de la bonne façon. C'est envoyer cela pour toucher le bullseye là-bas, c'est ça? Ouais, un petit peu. Ce qu'on va surtout faire, c'est que quand tu vas taper, ouais, le but, hein, c'est d'envoyer l'impact bag en ligne avec la ligne de jeu. Donc, c'est que l'impact bag, je me rapproche parce qu'il y a le micro ici, l'impact bag doit partir en ligne avec la ligne de jeu. Si l'impact bat va à gauche, ça nous indique que les mains ont fermé la phase de club à l'impact. Donc, la phase de club est fermée à l'impact et donc, du coup, l'impact bat irait à gauche. Ce qu'on voit très souvent chez les joueurs qui ont tendance à cueillir la balle, les joueurs qui cueillent ont souvent cette phase de club qui se referme très rapidement. Donc, ce qu'on veut, c'est neutraliser la phase de club en envoyant les mains à l'impact. Donc, papa, envoie-moi ouais, cet impact bat en pleine ligne. Ok, tu veux que je touche la cible? Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ok. C'est sympa hein, quand même. On a réveillé les voisins. Hein. C'est ça. C'est quand même, c'est sympa comme sensation quand même. Hein. Alors, c'est pas. Ah mais alors. Parce que franchement, c'est la première fois que j'utilise ce type de. Et tu sais, on parlait du fait que moi j'avais une problématique ouais, quand j'avais tendance à cueillir la balle et j'étais zéro, enfin je jouais niveau zéro et mais j'avais quand même cette tendance à cueillir la balle et. Je te rappelle, quand j'ai reçu ça à Paris, je t'avais dit que je m'entraînais avec l'impact bag et que j'avais des sensations que je n'avais jamais eu auparavant. Et la façon dont je m'entraînais à Paris, quand j'avais le temps entre deux séances, c'est que je prenais l'impact bag, je faisais une dizaine de swings où je tapais l'impact bag en ligne et ensuite je tapais trois balles. Je faisais 10 swings, allez, on va dire 5 swings si vous êtes de votre côté, tapez 5 fois dans l'impact bag et ensuite on tape 3 balles. 5 fois dans l'impact bag, ensuite 3 balles. Et vous allez avoir des sensations que vous n'avez jamais eues avant. C'est ce qui m'est arrivé en milieu d'année quand j'ai fait cet exercice-là. Et comme mon père l'a décrit, tout de suite, la première chose, c'était « Waouh, c'est pas mal cette sensation ». C'est parce qu'on a vraiment l'impression que lorsqu'on arrive à l'impact, boum, on a l'impression d'arriver dans cette position-là. C'est ça, mais que je viens de réaliser en fait que vraiment j'ai sensation que quand je le frappe d'avoir la poids vraiment sur la jambe gauche. Ouais, ouais. Et je crois que ça c'est très très important. C'est d'avoir cette sensation d'entrer dans la balle, comme on dit, de ne pas reculer par rapport à la balle. Et je peux ajouter un exercice à faire, un très bon exercice à faire, c'est d'avoir donc de prendre sa position, de mettre le pied gauche contre le pied droit et là, appuie et frappe. Et là c'est super. Ça part en ligne. Ouais. Ouais, là, c'est vraiment super comme exercice. Là, on sent vraiment que, clac, on va entrer dans le... Ouais, donc on vous a montré deux exercices différents à réaliser sous forme de série. Encore une fois, l'objectif des outils pédagogiques qu'on utilise depuis une éternité. Mon papa, ça fait plus de 40 ans qu'il coach. Moi, ça fait presque... Bah, ça fait 15 ans maintenant que je coach. Et Même avant. Oui, oui. Bon. J'étais l'assistant de mon père quand j'avais 13-14 ans. Mais du coup, effectivement, quand j'utilise les outils pédagogiques... Je vais venir dans mes stages pour expliquer un peu comment il faut faire, etc. Ouais. J'avais 14-15 ans. Voilà. Et tu ne m'as même pas payé. Le paiement, il était là. C'est ça, exactement, à travers l'expérience. Le paiement, c'était l'expérience. Voilà, stage de formation. Exactement. Donc, du coup, les outils pédagogiques, on s'en sert encore une fois comme des outils de feedback et des outils de sensation. Ça doit servir à ça, les outils pédagogiques. Vous permettre de créer des sensations que vous n'avez pas eues sans l'outil pédagogique. Et croyez-moi, avec les deux choses qu'on vous a montrées là, les deux outils, encore une fois, si cela vous intéresse, vous pouvez les trouver à travers le partenaire de cette vidéo, Golf at Home. Vous pouvez aller directement sur votre site, vous tapez sur Internet Golf at Home, vous allez les trouver très facilement. Et trouver ces deux outils pédagogiques-là, travailler de la maison, et même en dehors, quand vous êtes en dehors de chez vous, vous pouvez amener ces outils-là aux practices. Donc, moi, je préconise toujours, j'essaie de préconiser à mes élèves des outils, j'essaie d'acheter toujours des outils que je peux conseiller à mes élèves et qu'ils peuvent acheter. D'accord ? Je ne vous conseillerai jamais quelque chose que je n'aime pas moi utiliser avec mes élèves. Donc, je parle par expérience quand je vous dis que ces deux outils-là, ça marche parce que je les ai utilisés moi-même avec mes élèves. Papa, le mot de la fin ? Vraiment, c'est encore plus amusant, je trouve, que d'entraîner, de taper des balles pendant 2-3 heures. Ce n'est pas toujours forcément marrant, mais avec les outils comme ça, c'est plus amusant.
Donc, et l'entraînement devient plus qualitatif. Exactement. Je trouve que c'est pas beaucoup plus amusant. Voilà. Prochaine vidéo, on parlera cette fois-ci du petit jeu putting. On va se servir de 12 outils pédagogiques, encore une fois, proposés par Golfatom. On va vous montrer comment vous pouvez améliorer votre petit jeu et votre putting grâce à nos conseils et les outils de Golfatom. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.